Il y a plus d'une année, nous avons décidé d'entamer un voyage vers une nouvelle approche de notre mission de maintien à domicile. Dans un premier temps, nous nous sommes concentrés sur notre métier afin d'améliorer la prise en soin de nos clients, la coordination de nos activités et la mise en valeur de nos compétences. Cette première étape franchie, nous devons maintenant nous concentrer sur nous-mêmes, les voyageurs, car nous savons que nos compétences forment la source d'énergie essentielle pour continuer ce voyage. Pour mobiliser cette énergie, chacun d'entre nous a son rôle à jouer. Imaginer la destination nous permet de donner sens au voyage. Nous savons déjà qu'il s'agit d'un lieu où nous pourrons utiliser au mieux nos compétences métiers, où les rôles d'accompagnants seront renforcés et où l'entraide mutuelle permettra de développer nos capacités d'adaptation et d'apprentissage. Le plus difficile sera de laisser derrière nous nos habitudes et réflexes actuels. Il s'agit d'une forme de rupture nécessaire pour évoluer dans nos rôles et gagner de nouvelles expériences. C'est vrai pour chacun. Les cadres, directeurs et responsables en prennent conscience pour eux-mêmes. Ils auront à faciliter le chemin qui nous permettra ensemble de dessiner de nouvelles solutions. Pour nous aider à traverser les épreuves, nous avons défini 5 clés de réussite. Une vision proposée par le CODIR quant au lieu de destination. Une orientation par le comité boussole qui, parti en éclaireur, définit l'itinéraire en comprenant les besoins du quotidien. Un partage d'expériences au sein des communautés de pratique pour permettre aux équipes d'élaborer ensemble des solutions. Un coaching interne, coordonné par l'unité de formation et les cadres, afin d'aider les équipes à développer leurs propres aptitudes. Un accompagnement spécifique par des ateliers self-leadership pour renforcer la capacité des cadres, directeurs et responsables à soutenir la transformation. Nous saurons que nous aurons atteint notre destination lorsque nous aurons réussi à établir des collaborations bienveillantes, respectueuses les uns des autres, valorisant les compétences et les initiatives. Nous la découvrirons au travers des retours de nos clients et partenaires. Et nous la reconnaîtrons, car nous y trouverons plus de confort, de sens et de plaisir au travail. Ensemble, déterminons le chemin de notre réussite.